entendu, je vous parle de Freddy Krueger. Freddy Krueger est né en 1942 dans un hôpital de Springwood. Amanda Krueger, sa mère, est tombée enceinte de Freddy alors qu'elle était bonne sœur dans un asile psychiatrique de Springwood, fermé depuis. Elle fut, involontairement, enfermée dans une salle avec des centaines de malades qui la violèrent et la mirent enceinte. 9 mois plus tard, elle donna naissance à Freddy et mourut en couche. Le petit Freddy n'a pas eu d'enfance heureuse. Il est le souffre-douleur de ses camarades de classe, ses professeurs le rejetèrent et il présente déjà des signes de sadisme. Jeune adulte et élevé par un beau-père ivrogne violent, Freddy fait sa première victime en tuant son beau-père qui l'a batté. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'il ne sent presque plus la douleur. Une vingtaine d'années plus tard, il se mariera et aura une fille, Catherine Krueger. C'est durant cette période que Freddy commettra beaucoup de meurtres d'enfants. Il en tuera une vingtaine à Springwood après les avoir emmenés dans une vieille chaufferie abandonnée. Sa femme, Loretta Krueger, découvrira alors les armes de ses crimes, notamment les griffes, et les nombreux articles de journaux que Freddy collectionnait, cachés au fond de la cave de leur maison. Horrifiée, elle promet à son mari de ne rien dire, celui-ci l'étrangla sous les yeux de sa fille, alors âgée de 5 ans. Freddy sera finalement arrêté peu de temps après, sur le point d'être jugé coupable au tribunal. Il sera relâché à cause d'une signature manquante sur un des documents d'inculpation. Un soir, après que le tueur ait fait une autre victime dans sa chaufferie, des parents se rassemblèrent autour de sa maison et y mettent le feu au moyen de cocktails Molotov. Freddy, enfermé dedans, sera brûlé vif. C'est à ce moment-là que l'histoire se complique. La peur, toujours présente chez les habitants, permet à Freddy de revivre dans leur cauchemar. Dans le 6e film, il est dit que le démon du rêve le possédait, le proposèrent de vivre éternellement dans les cauchemars. C'est donc ainsi qu'il s'attaquera aux adolescents dans la rue de M Street, située à Springwood, et continuera à les terroriser dans leurs cauchemars avant de mourir par la main de sa fille, Catherine, alors adulte, qui l'extirpa de son cauchemar pour le tuer. Des années après, complètement oublié par toute la population de Springwood, il réussira à ressusciter à l'aide d'une autre créature diabolique, Jason Voorhees, le tueur de Vendredi 13. Celui-ci commettra des meurtres dans la ville. De ce fait, tout le monde pensera que Freddy est une nouvelle fois de retour, et la peur que cela suscitera donna la force à Freddy, qui terrorisa de nouveau la ville. Voilà, j'espère que ce petit documentaire sur les tueurs de films d'horreur vous aura plu. Moi, je vous laisse avec Mike Impresia dans une nouvelle vidéo. C'était Spooky. Et surtout, bonne journée.